What actually comes out of my mouth is... I have the shiniest meat bicycle! Eh bien, salut à tous mes amis, c'est Craig. Aujourd'hui, on se retrouve pour du cyberpunk. Eh ouais, votre épisode du mercredi, alors que je devais sortir une vidéo hier, mais j'ai plus trop le temps. Donc, on est parti pour du cyberpunk le mercredi, ouais. Je vais... comment dire... Cherche quelqu'un qui serait faire des montages vidéo, honnêtement, parce que avec tout le travail que ça me fait, je suis surchargé, j'ai mes études de côté, donc j'essaie quand même de maintenir le nombre de vidéos. Sauf que, bah, avec des études et tout ça, c'est pas trop ça. Donc, voilà. Mais bon, si quelqu'un sait monter une vidéo, enfin, si quelqu'un sait utiliser le logiciel de montage vidéo, ou, bah, qui me fasse un email de ce qu'il utilise comme logiciel et tout ça. Il va pas prendre de gants, on dirait. Je mettrai mon email professionnel dans la description. Hmm. Et là, vous pourrez m'envoyer votre candidature à. Voilà. Enfin, c'était la petite annonce, donc c'est parti. Ah, donc, on était où? Ah, ouais. On s'était arrêté ici la dernière fois, donc du coup, je rentre à. Sur le signe au sujet des Dick Street. Ok, bon bah c'est parti. En fait, toujours plus gros c'est le genre de jouet. C'est cool. Ladies Bar Kabuki. Ok. Bon, je vais pas me gourer. 55 EC 1C 55. Bon. Ouais, dans sensoriel. Ok, c'est bon. Je sais plus, j'ai quoi comme arme. Ah oui, c'est là que j'ai le revolver lourd de l'autre. Hop, c'est par là au-dessus. Oh putain, mec, je t'essaie de nous entourer. Partouché. Je vends que du brut. C'est la part de Pablo. Qu'est-ce que vous aimez? Pas content? Ah bah, tu vois, je veux un truc puissant. Hey, je fais pas affaire avec Pablo. Retourne le cerveau. Je fais affaire avec toi. J'en ai pour tous les goûts. Box à main nue, fusillade, interrogatoire des forces spéciales. Alors, je pourrais reprendre le trottoir avec tes tripes, mais ça me rendrait pas ce que tu me dois. Je veux un truc plus. Enfin, voyez, je suis plus touchiste. C'est important. Non, important allez, comment peut-être tout marche, je sais pas. Vous croyez que je fasse du boulot? Si je pouvais lire. J'ai réussi à contacter l'un de mes vieux amis, chez Arasaka. Il est un riche en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. Vous voyez, c'est pas si difficile. Bon, alors j'ai des classiques de la dernière guerre des corpos ou des vols à main. Un vieil ami, en relation avec des gens influents. Pourquoi autant de mystère? Dis-moi tout. Je t'ai dit que j'explorerai les options et que je frapperai à plusieurs portes. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous nous rencontrerons. Toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Kumpeki Plaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais c'est un début. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? Japantown. Après le coucher du soleil. Je t'envoie les coordonnées exactes. On se retrouve là-bas. Ok. Je cherche des déesses. Un genre spécial. Spécial? Vous
vous êtes flic. Donnez-moi le top du top, celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à un connaisseur. La tête de mort a un prix, vous savez. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? Ça va. Ouais, bon, par contre, j'ai pas beaucoup de fric. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Je me demande pourquoi est-ce qu'il faut des tailles énormes pour ça. Ouais, bon, en même temps, je suis dans des quartiers. Et t'as là, t'es boobs. Ah, je vais me faire censurer. Oh là là. Bravo. Oh, allez, monte. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. Oh putain, où est-ce que je suis? Oh bordel. Ouf, la patate. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. Attends. Voilà, c'est mieux. Bon. Ah, ah, attends. C'est quoi ça? On l'a commandé récemment. Ok. Il y a un logo Electric Corp sur la combinaison. Ah, c'est moche.
des os. Je pensais pas qu'il tournait des DSX en plus de couper les gens en morceaux. Non. Ah. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Bacchus Slice. Attends, c'est quoi ce truc là? Une boîte ordinaire, avec le logo de Decker, Tanaka et Rogers. Le café. Rien d'anormal au milieu des déchets. Bon, ce qu'on cherche, c'est une centrale électrique Corp. Et donc si tu es prêt. Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Bucket Slice. Il y a peu de chances que ce soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène. Personne ne va traverser la ville pour bouffer ça. Ok, c'est bon. Bon, direction la vieille centrale électrique Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant. On tirera rien d'autre de cet engin. Ok, donc si je récapitule, on avait une vidéo qui est censée pas être légale dans ce jeu, enfin, vous avez compris, qu'on voit Taylor se faire désosser, mais genre, bizarre, mais bon, bref. Non, mais voilà, après... Hein, j'appelle des délires, hein. Je respecte tout ce qui est. Pas de temps à perdre. Je suis d'accord, je t'emmène. Ok, on y va. Alors en route. J'ai une petite timelapse et on se retrouve juste après. Alors. J'arrive pas à me le sortir de la tête. Ah. L'extrait de Virtue qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. Ils enregistrent que du snuff. C'est le dernier des pommards s'il l'utilisait bêtement pour du snuff. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. N'empêche, hormis que le jeu a été sacrément critiqué, il reste quand même beau, je trouve. Pourquoi j'ai le tout cherche là? Ouah, ça partira sûrement après. N'empêche qu'avec les couleurs que j'ai mis, franchement le jeu est plutôt pas mal. Dites-moi si les couleurs vous dérangent, sinon je pourrais toujours changer la configuration. Ah vous voyez, c'est parti. Ah non. J'aime pas l'ordinateur.
got a story to tell you. I heard something recently from a nomad friend of mine. She was telling me about some strange stuff happening out in the Badlands of the East. Ça y est, on y est. She said she ran across another nomad On entre. Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ok, j'entre. Bon. Voiture en panne, je dirais plutôt voiture explosée, ouais. Je sais pas si c'est de capacité technique. À moins que... Non, je peux pas forcer. Là, je peux forcer. Y'a plus là. Ouh, intéressant. Je pose faux document. Ok. Comment ça se traite? Prends une caisse et pousse-toi le cul. Sale rat. Je peux sentir. Je suis passé à l'action. En pleine tête. J'ai entendu des coups de feu. Ça va? Ouais. J'ai pas le temps de faire discret. Oui. Je suis en train de prendre feu, mais bon. Après, je te crèverai les yeux. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, je vais voir si c'est pas moi de... Dire que tu es à distance. Je suis là. Viens me montrer ce que t'as dans le front. Ah, vraiment. Par contre, il m'emmerde. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec lui, il va tout le temps me surchauffer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en débarrasser. Oula, 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 oh, on se calme. Tu veux ? Arrête, arrête, stop, stop. T'es dit stop, t'as pas voulu. Ok. J'ai pas une arme qui pourrait... Ouais, pourquoi pas. Son mémoire. Merde. Sérieusement, mange. Non, je vais pas utiliser, je vais me connecter. Ok, voyons ce qu'on a. Ah, un C. J'ai pris le mauvais. Non, j'ai pris le mauvais. Faut que. Je sais que. À chaque fois que tu te décolles, que tu te troques au-dessus. Ok. Alors. Idée.
assez 55. Voilà. C'est bon, je crois qu'il n'y a plus personne. On y va. Oh, ferme-la. Attends, est-ce que cette arme-là fait plus vite? Super, t'es mort. Blanc, j'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. Je vais trouver un moyen de descendre. Tu vois ma position? Ouais, je te rejoins dans pas long. Attends-moi. Je suis là. Il faut qu'on descende au niveau moins 2. Je parie que c'est là qu'ils la retiennent. Ok. T'as pour ça ? T'as pas assez de méthionine pour le lot d'aujourd'hui. T'inquiète, on ajoutera du RTL et il y aura le poids. Du RTL ? De l'érythritol, une friandise pour les adultes. Le RTL, ça va pas les faire baver comme des enragés. Parce que si ça arrive, ce sera la fin de notre business. Est-ce que t'as la montre ? Ah ! Tais-toi. Viens par ici, toi. Tu fermes ta gueule et casse-toi. Voilà. Attends, est-ce que je peux augmenter mes compétences? Parce que ça, des fois... Bah oui! Bah oui, bah oui, bah oui! Intelligence, ce que je vais faire, c'est que... Mais... Oh! Ok. Bon, déjà. Ça. Ça. Maintenant, dans les réflexes, qu'est-ce qu'on a ? Ça. Bon. T'as au moins 9 de capacité technique. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on accède au couloir de l'autre côté de cette pièce. Ok. Et pour eux? Je pourrais simplement les éliminer à ma façon. Fais comme tu veux, mais fais-le maintenant. J'ai vu où il crèche. Alors tu peux me croire. C'est lui le boss, non? Profond à des gonzesses.
perdre, c'est pas une fatalité. Il y a un moyen d'être des gagnants. Bonne soirée. On a pas chargé. Aga ? Ta gueule. Salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. Attends avant de foutre le bordel. Chut, 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 chut. Fais dodo. Je vais te rafraîchir les idées. Jamais personne sans bon et que les journées sont grosses. Parce qu'on n'est pas obligé de rester dehors sous la pluie. T'as raison, c'est tellement nul à chier. Non, ce que je déteste, c'est être entouré d'une bande de cons. Bah la porte est grande ouverte. Tu peux te barrer, personne te retient. Je pourrais aussi t'exposer les choses. Je vais te crever! Viens pas à bord! Oh oui, il a explosé en petits morceaux. Tu es démembré! Moitié son corps! Mais à chaque fois, j'appuie sur RB pour me recharger alors que c'est il est en dessous, lui. C'est quoi ça? Je prends. On te trouvera d'une façon ou d'une autre. T'entends? Ah bon? Quoi dedans? Je prends. Ah, il est démembré. Toi, pourquoi mon pote? Attends, je. Ah, ça a quand même vertébral, s'est retrouvé dissocié de. Mais je vois qu'il a un. Ils se sont servis de lui dans une vertu qui l'a tué. Et après, ils l'ont arraché ses implants. Moi je dis que je serai sans pitié. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter notre sortie.
fois, faut vraiment pas te faire chier. Une seconde, attends. Ok, voyons voir. Un C. Déjà, un C. Un C. Putain, mais vas-y, ça par contre c'est casse-couille. Non, c'est... Bah t'as, c'est ici qu'ils m'ont désossé. Et non, moi c'est vrai qu'il faut pas me faire chier. C'est bon, je suis là. Il faut la retrouver. Tiens bon, Eve. Merde. C'est Evelyn. La touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Elle a morflé, hein. Ok, c'est parti. Un, deux... Trois! Putain, merci. Eve... Evelyn, tu m'entends? Qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, je sais pas. Elle doit être sérieusement traumatisée. On peut la déplacer? Pas d'hémorragie cérébrale ou de dégâts à la colonne? Je vois aucune trace de blessure. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes. Et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Allez, quoi, c'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Mais putain, V. Ouais. Ok, si ça te fait plaisir, encrasse-toi les poumons. Oh, enfin, un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Allez, on entre. Je leur laisse un peu de temps. T'as vu dans quel état elle est? Si ça avait tenu qu'à moi, je lui aurais balancé un seau d'eau au studio. Et je l'aurais interrogé sur place. Eh, c'est pas toi qui décide, hein? On y va. Endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux? Pourquoi? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi... Tu vas vite le savoir.
Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Ok, fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Assieds-toi. Vas-y, envoie. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Bon, bah voyons voir ce qu'elle a à la tête. Je dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité? Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais? La biopuce? Comment tu es au courant? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris? Ok. Comment tu es au courant? Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas une netrunner du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi? Des VV. Ça te parle ces trucs? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Qui ça? Sur quoi? Peut-être les Voodoo Boys. Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de sécurité. Il faut la configurer. Je ne suis pas de ces messages. Le plus important, c'est que je ne doute de rien. Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. Détendu. J'aurais même pas par où commencer. Peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Et maintenant? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica. Ok. Bon. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Putain, mais si vous avez des tap-tap durant la vidéo, ce n'est pas ma faute, c'est celle du voisin qui fait des travaux alors que je suis en plein travail. Putain. Ce n'est pas important. Qu'est-ce que t'en dis? On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée.
Je lui en veux. Son boulot, c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce, juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entré en scène, qu'elle t'a engagé. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. En fait, j'aimerais bien vivre dans un truc comme ça, genre là où tu peux avoir des implants de fou. Enfin, après, ce n'est qu'un rêve, un fantasme de. En soi, ça existe, mais bon, la robotique et tout ça n'est pas si avancé que dans Cyberpunk. Et mon pote t'arrête de taper parce que putain, merde quoi. C'est pas ce qui me semblait. Trop de balles. Oui, vous tenez raison. Il est trop intelligent. Bon, pas qu'à quoi. Et puis, il sait une chanson pour nous payer. Je ne peux pas risquer. Très bien. Si vous finissez de critiquer tout ça, qu'a dit, vous pouvez vous prendre travail. Attends. Elle parle dans quelle langue? Je sais pas. En créole haïtien. C'est des good boys. Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Oui, ça, hop, hop. Essaie de scanner le téléphone. C'est bon, juste une petite seconde. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Déjà allé? Oui, vous tenez raison, Ao. Il est trop intelligent, bon. Ou pas, c'est même la fin de problème? Non, pas qu'à quoi. Et puis, il sait une chanson pour nous payer, oui, nous pouvons prendre un risque là. Moi, t'as ramené quoi, même j'avais, que Sylvain a mené nous direct sous halte. Est-ce que vous avez bon l'idée? Très bien. Si vous finissez de critiquer tout ça, Kadi, vous pouvez vous prendre travail. C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Bon, on sait maintenant ce qui nous attend. Pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverhand? Il est mort, genre. Ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme? Sa psyché numérisée. Son construct de personnalité. Du
Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Alt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Ok, ok. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Craig. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Ciao.